Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence. Donc, oui, je vous présente notre organisation qui est toute nouvelle. En fait, on a un an à peine d'existence. C'est le Rassemblement Électrosensibilité Québec qui regroupe essentiellement des personnes électro-hypersensibles. À l'heure actuelle, il y a près de 160 membres. Je vous dirais qu'à 95%, ce sont des personnes électrosensibles. Donc, des personnes qui vivent avec les symptômes de l'électrosensibilité qui doivent composer avec l'environnement pour réussir à vivre une vie presque normale dans des conditions pareilles. J'ai un dépliant ici, on l'a aussi, qui est le dépliant est aussi disponible à notre table, notre kiosque. Si vous voulez en avoir tout de suite une copie, je pourrais vous le donner. Donc, vous pouvez faire circuler à travers l'assistance. Voilà. Donc, dans ce document, notre dépliant, vous prenez connaissance des symptômes. Essentiellement, les symptômes, d'ailleurs, bon, certains d'entre vous ont peut-être assisté à la conférence de M. Belinsky qui précédait cette conférence-ci. Donc, les symptômes sont des malaises qui apparaissent toujours suite à l'exposition à l'un ou l'autre ou à l'ensemble des champs électromagnétiques. M. Belinsky, dans la conférence précédente, avait expliqué que les champs électromagnétiques peuvent être, bien sûr, tout ce qui est électrique dans notre environnement. Et aussi, bien sûr, les champs magnétiques qui sont dégagés ou les radiofréquences qui sont dégagées par les appareils Wi-Fi, les appareils sans fil. Les personnes électrosensibles vont éprouver divers malaises, maux de tête, acouphènes, palpitations cardiaques, d'autres malaises encore plus importants qui peuvent aller jusqu'à la paralysie. Toujours en suite ou en présence de champs électromagnétiques. La seule façon de se protéger, c'est d'identifier les sources de rayonnement électromagnétique et de s'en éloigner et de s'en protéger, si possible, avec des dispositifs de blindage. M. Belinsky, dans la conférence précédente, en avait proposé quelques-uns. C'est compliqué de vivre ainsi. Les personnes électrosensibles, étant donné la prolifération de tout ce qui est, bien sûr, appareillage électrique, mais aussi technologie sans fil, ont de moins en moins d'endroits où pouvoir exercer leurs activités régulières. Ce qu'on observe parmi nos membres, ce sont des gens qui sont tellement incommodés par l'exposition qu'ils sont en obligation de quitter leur emploi, congé maladie, plus ou moins longue durée. Et dans les cas où l'exposition n'est pas possible, où on ne peut pas contrôler l'exposition dans le domicile, malheureusement, plusieurs personnes électro-hypersensibles doivent quitter leur logement. Ce qui est possible de faire dans un appartement, en fait, j'ai fait une distinction importante, c'est l'exposition volontaire et l'exposition involontaire. L'exposition volontaire, ce sont tous les appareils que vous procurez, que vous utilisez et que vous pouvez tout simplement décider de mettre à off ou de vous en départir. Dans le milieu de travail, il est possible d'avoir un certain pouvoir sur notre niveau d'exposition, mais pas tout le temps. Ça demanderait des accommodements. Certains électrosensibles sont en voie d'en obtenir. Un accommodement, par exemple, pour un poste de travail normal, ça serait, par exemple, de changer, revenir à la technologie filaire plutôt que d'être exposé au Wi-Fi des bureaux. Comme je vous dis, il y a des précédents qui sont en train de se produire pour accommoder justement des personnes électrosensibles ou tout simplement par souci de prévention. Même chose dans l'appartement, il est possible de fermer son Wi-Fi, fermer tous les appareils qui sont bien sûr énumérés là, dans notre dépliant. Mais quand l'appartement, lui, est exposé excusez-moi, il fait chaud et c'est bruyant, donc je suis un petit peu... Donc, quand votre appartement est exposé soit à une antenne, par exemple, de téléphonie qui se trouve à l'extérieur de votre domicile, vous pouvez quand même blinder, en quelque sorte, votre appartement, mais il y a des limites à ce genre de protection. Vous n'avez pas le contrôle, c'est de l'exposition nettement involontaire. De la même façon, quand vous habitez un immeuble multilogement, où vous avez de nombreux voisins qui ont tous leur équipement Wi-Fi sans fil, télévision Bell, etc., etc., il est très bien très, très, très difficile de contrôler votre environnement, même si vous avez éliminé toutes les sources de rayonnement dans votre domicile. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation où plusieurs électrosensibles se résignent finalement à devoir quitter. Et nous, à l'association, il y a un de nos membres qui nous a proposé une nouvelle expression qui est un peu
dramatique et difficile à accepter, mais c'est quand même une réalité, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont des QDF, en quête de domicile fixe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de quitter un logement que d'en trouver un qui soit adéquat. Une fois que vous avez décidé de quitter votre logement et que vous êtes en quête de nouveau logement, quand vous êtes électrosensible, ça devient un vrai casse-tête. Pour vous dire, sur les 160 membres que nous avons actuellement, il y en a au moins une quarantaine qui sont à la recherche d'un logement adéquat. Un logement adéquat, ce serait un logement où il n'y a aucune exposition aux champs électromagnétiques. Ce sont des logements où on aurait prévu, par exemple, au niveau des installations électriques, un filage blindé. Là, je ne parle même pas de technologie Wi-Fi sans fil, là. Seulement que le filage normal soit bien réparti dans le logement, uniquement aux endroits où c'est nécessaire et où, par exemple, vous pouvez couper l'alimentation par des breakers aux endroits où vous n'en avez pas besoin pour éviter l'exposition. Donc, il y a des techniques et on est en train, nous, à l'association, grâce à certaines de nos membres qui sont soit dans la construction, soit dans le domaine de l'architecture, d'établir des devis où on va pouvoir établir les grands principes de ce que devrait être une construction responsable en regard de l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc, au niveau des installations électriques, voilà. Donc, même pour l'éclairage, il faut bien choisir tous les appareils d'éclairage pour pas que ça dégénère des champs électriques et ainsi de suite. Idéalement, au niveau du chauffage, on devrait avoir un chauffage qui n'est pas électrique. Donc, on a des membres qui ont construit leur propre maison et qui ont veillé à choisir un chauffage, par exemple, à eau chaude. Parce que, bien sûr, l'eau chaude qui circule dans les murs génère de la chaleur, mais ne génère pas de champs électriques comme le font les cailles électriques. Beaucoup de détails. Et comme par exemple, les personnes électrosensibles sont aussi bien souvent, malheureusement, chimico-sensibles, le choix des produits et des matériaux de construction, des produits comme la peinture ou les vernis ou quoi que ce soit, doivent faire l'objet de soins vraiment, vraiment attentifs. Donc, dans nos devis, nous allons établir quels sont les principes à tout point de vue pour construire, puis on va le proposer à tous les entrepreneurs qui voudraient, soit pour des personnes privées, construire une maison, ou encore des personnes qui voudraient se lancer dans la production plus massive ou offrir un produit comme les mini-maisons. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est que des entrepreneurs dans le domaine de la maison usinée ou de la maison préfabriquée ou de la mini-maison puissent prendre nos devis et proposer clé en main un produit qui soit adéquat à tout point de vue pour les personnes électrosensibles. C'est ce qu'on souhaiterait. Pourquoi les mini-maisons, et là j'en viens peut-être plus au thème de ma conférence, pourquoi les mini-maisons semblent une solution d'avenir pour beaucoup d'électrosensibles? Remarquez, moi je peux faire cette conférence et je me fais un peu le porte-parole des membres qui ne peuvent pas être ici présents et qui seraient beaucoup mieux, beaucoup plus compétents pour parler de tous ces problèmes d'habitation. Tout simplement parce que moi, je ne suis pas, je rajoute toujours encore électrosensible, okay? Tandis que bon, la plupart des personnes, des membres de notre organisation ne peuvent même pas venir ici dans les lieux étant donné l'exposition ambiante. Alors, pourquoi les mini-maisons? Pourquoi certains ont même déjà construit leur mini-maison? Pourquoi certains rêvent d'en construire une? D'abord, une mini-maison donne accès à plus de lieux. Et un des facteurs importants pour les personnes électrosensibles, c'est qu'elles doivent éviter l'exposition ambiante. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un quartier résidentiel, de plus en plus, vous êtes soumis à tout l'outillage que vos voisins mettent en place. Il y en a qui mettent des boosters d'antennes, il y en a qui mettent des antennes carrément sur leur terrain. Autrement dit, avoir accès à une mini-maison permet d'installer une maison dans un territoire qui n'est pas nécessairement un territoire de grand développement résidentiel. On peut peut-être même avoir accès à certains terrains zonés verts ou forestiers. Si la maison est sur pilotis ou construite de manière non permanente. Donc, pour les électrosensibles, ça ouvre des possibilités. Si c'est une maison qui est autonome au niveau de la production d'énergie, on a des membres qui ont réussi à produire... Pardon? Le son n'est pas bon? J'ai peut-être le micro trop près? Plus haut? Plus près? Je ne sais pas. Oui? OK.
Oui. Alors, oui, j'étais en train de dire pourquoi, quel intérêt pour les mini-maisons, c'est que le lieu, le terrain est très, très important. Et, bon, la question m'a permis de consulter mes notes aussi. Il n'y a pas seulement les appareillages de technologie sans fil, c'est que tout le réseau électrique, tout ce réseau qui alimente les maisons d'un quartier génère un énorme champ électrique. OK? Et souvent, les électrosensibles vont retrouver un meilleur état de santé lorsqu'ils s'éloignent de ces réseaux de distribution électrique. Donc, si on peut situer une maison, justement, sur un terrain, peut-être zone verte ou exploitation forestière ou autre, un grand terrain, éloigné des réseaux de distribution, à ce moment-là, ça donne une chance. Il faut que la maison soit, par conséquent, peut-être autonome. Et j'avais commencé à dire que, oui, on a des électrosensibles qui ont construit leur maison... Je l'ai dans le fond. Comme ça? OK. Qui ont construit leur maison de manière à être, par exemple, le chauffage est essentiellement passif, avec une fenestration plein sud. Et lorsque la maison est très petite, le volume d'air à réchauffer... Et on a même une personne électrosensible dont la maison est trop chaude en hiver uniquement avec la fenestration. Okay? Il doit ouvrir les fenêtres pour refroidir un petit peu. Donc, la mini-maison permet ce genre d'aménagement. La mini-maison est aussi très facile à contrôler si on a à bien faire attention pour disposer les fils de manière adéquate. Et si on a à se procurer des matériaux de blindage ou des matériaux un peu plus coûteux parce qu'ils sont moins toxiques, c'est encore une fois plus accessible que de devoir construire toute une maison. Okay? Donc, au niveau des coûts, ce qu'on ne pourrait pas envisager dans une maison unifamiliale normale devient envisageable pour un projet de mini-maison. Souvent, les électrosensibles sont des personnes qui sont très, très affectées, mais pas nécessairement le reste de la famille, pas nécessairement le conjoint. Ce qui devient intéressant avec les mini-maisons, c'est qu'on peut aussi prévoir les installer en annexe d'un domicile. Okay? Ce qui rend la chose beaucoup moins difficile à gérer pour l'ensemble de la famille. Certains électrosensibles qui ont des familles avec des jeunes enfants doivent, s'ils doivent déménager, penser changer d'école, changer de quartier, s'éloigner des grands centres où il n'y a plus de services pour le reste de la famille. Ça devient un casse-tête impossible à résoudre. L'idée d'une mini-maison, en lieu et place d'un garage, par exemple, fait en sorte que la personne électrosensible reste à proximité de sa famille, n'oblige pas sa famille à changer complètement et de ses habitudes ou à déménager, et n'oblige pas, bien sûr, à changer toute la maison qui est quand même adéquate, avec certains correctifs, pour le reste de la famille. Donc, c'est un avenue qui a été envisagé par certains de nos membres aussi. Souvent aussi, la mini-maison ne demande pas d'investissement au niveau de l'achat du terrain. Elle peut être installée chez un proche qui aurait une portion de terrain à offrir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la mini-maison peut être, dépendant du modèle qui est choisi, facilement déplacée. Le problème avec l'électrosensibilité, c'est que vous pouvez trouver un lieu propice à une certaine époque, mais les aléas de l'avancée technologique étant ce qu'ils sont, si une dentelle émerge et est érigée près de chez vous, vous n'aurez pas beaucoup de recours. Au lieu de perdre tout votre investissement, certains ont dit, ben, si j'ai une mini-maison, au moins, dans ces cas-là, je pourrais, moyennant des frais, mais certainement des frais moins importants, déménager ma maison. C'est triste, mais quand on en est rendu à se demander où habiter, et quand on en est rendu à se dire qu'il vaut mieux coucher dans sa voiture ou coucher dans un VR, la mini-maison, même pour une période en sursis, est certainement mieux que les conditions qu'on observe en ce moment. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi nos membres, on a des gens qui sont en quête de domicile fixe, mais qui sont littéralement en itinérance. Et ça, je vous le dis, j'en ai de la chair de poule, parce que c'est des gens qui ne peuvent plus tolérer les grandes villes. Souvent, ils équipent leur véhicule, leur voiture ou une petite wagonnette pour pouvoir y coucher. Et la seule façon d'avoir un répit au niveau de leurs symptômes de mal de tête, trachycardie, paralysie ou autre, c'est d'aller trouver un rang où il n'y a aucune exposition. Alors, on a des gens ici au Québec qui ont accepté de dormir, par exemple, à des températures de moins 20 dans leur véhicule. C'est ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une mini-maison comparativement à ces conditions de vie-là. Je vous dirais que c'est un palace.
On a un jeune homme en ce moment qui couche dans des parcs. Donc, c'est ni plus ni moins que de l'itinérance. Parce que c'est le seul endroit à Montréal où il sent qu'il n'y a pas de radiation. Maintenant que le Wi-Fi s'en vient dans tous les parcs de Montréal, c'est fini pour cette solution-là. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on a en tête. C'est vraiment des drames humains qu'on peut pas tellement imaginer. Mais si vous regardez, par exemple, sur Internet, en YouTube, où il y a plusieurs documentaires, que ce soit en Suisse, en Belgique, et tout récemment, il y en a un autre qui a été produit par une équipe indépendante russe, mais qui avait comme sujet des électrosensibles en fuite dans l'État de New York. C'est toujours le même phénomène. C'est toujours des gens qui ne peuvent pas faire d'autre choix que de quitter leur domicile, mais qui peinent à se reloger autrement. Alors, au niveau de l'aménagement des mini-maisons, un autre aspect très, très, très important, c'est que je vous ai dit que les personnes électrosensibles sont tout aussi souvent chimico-sensibles. Donc, on doit choisir attentivement les matériaux, mais sont aussi, malheureusement, très sensibles aux moisissures. Ce qui fait que quand on veut acheter une maison dans des maisons qui sont sur le marché, soit neuves ou, on va dire, usagées, le grand problème, il ne doit pas y avoir de moisissures. Et la source des moisissures, c'est souvent le sous-sol. Et l'avantage des maisons, des mini-maisons, c'est qu'elles peuvent être construites sur pilotis ou sur dalles de béton. Et pour plusieurs électrosensibles, c'est un élément non négociable. Il ne doit pas y avoir de sous-sol qui risquerait de générer des moisissures. OK? Tellement sensible aux produits chimiques ou aux moisissures que c'est non négociable. Donc, de plus en plus, heureusement, les municipalités permettent la construction sur pilotis, étant donné la grande mode des maisons, des mini-maisons. De plus en plus de municipalités changent le règlement et permettent donc la construction, ce qui facilite aussi l'installation donc des personnes électrosensibles. Ce qui serait bien, ça serait que nous puissions donc développer un modèle de mini-maison, plusieurs modèles de mini-maison, peut-être avec plusieurs entrepreneurs de maisons usinées. Maisons usinées, autre avantage concernant les moisissures, en passant, parce que c'est des maisons fabriquées dans des conditions contrôlées, ce qui est un avantage pour les personnes électro- et chimico-sensibles. Si on avait de tels produits sur le marché, très rapidement, les personnes électro-sensibles pourraient se reloger. Il suffirait de trouver un terrain adéquat. Et la livraison pourrait se faire en quelques semaines, m'a-t-on dit, dépendant des fabricants. Donc ça sera un partenariat très intéressant à développer pour les personnes électrosensibles. D'autant plus que notre association est en train de contempler l'idée de créer une ou voire même, si ça fait des petits, plusieurs coops d'habitation réservées aux personnes électrochimico-sensibles. Pour qu'il y ait un site assez grand, pour que la distance puisse préserver l'exposition due au voisinage et pour que la vie communautaire soit possible. Parce que plusieurs électrosensibles vivent présentement dans l'isolement le plus complet. Le seul endroit qu'ils ont réussi à trouver qui soit adéquat, c'est souvent un endroit très isolé. Et ça peut faire quelques temps, le temps d'apprécier le soulagement, de ne plus éprouver les symptômes. Mais après quelques mois, voire quelques années, nous avons une de nos membres qui a vécu 8 ans dans la forêt, sans presque voir personne, avant d'être atteinte du syndrome de la cabine, cabin syndrome, je pense que c'est comme ça que les Anglais l'appellent, ou de virer fou carrément à force de ne pas voir personne, on revient malgré les symptômes à la civilisation. Donc, la coop d'habitation sur un terrain assez grand pour offrir une protection, mais permettant le voisinage, c'est quelque chose qui serait souhaité par plusieurs de nos membres, mais il y a plusieurs personnes là, qui sont prêtes à travailler sur un projet. Les mini-maisons viennent maintenant faciliter la réalisation d'un tel projet parce que les promoteurs qu'on a approchés, de même que les groupes de ressources techniques, nous ont dit que si un terrain existe et si le nombre suffisant de personnes le justifie, nous pourrions avoir plusieurs maisons livrées dans un temps assez rapide. Donc, les mini-maisons pourraient permettre la réalisation dans un laps de temps très réduit de projets qui normalement prendraient plusieurs mois, voire quelques années à se réaliser. Donc voilà, ce sont les divers avantages là, qu'on verrait, à condition que les mini-maisons, bien sûr,
soit adapté aux devis dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les matériaux, tout l'aménagement soit prévu à cette fin. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, mais comme la maison est petite, les changements de plan sont aussi faciles à réaliser. Voilà. Alors, j'ai pas mal terminé ce que j'avais prévu de dire. Je ne veux pas non plus vous assommer avec trop de détails. Je préférerais peut-être répondre aux questions, si vous en avez. Oui? Comment est-ce qu'on découvre qu'on est... comment on appelle ça? Électro... Ouais. Alors, on me demande comment on découvre qu'on est électro-hypersensible ou EHS. Habituellement, c'est suite à une kyrielle de tests chez le médecin pour des symptômes comme des migraines, des palpitations cardiaques. En tout cas, reprenez toute la liste qu'il y a dans le dépliant. Et le médecin ne trouve rien. On pense que ça pourrait être sclérose en plaques, mais ce n'est pas ça. On a une dame qui était à peine capable de marcher. Ils ont fait tous les tests possibles, mais ça ressemblait à ça, mais c'est pas ça. Même chose au niveau cardiaque. Vous n'êtes pas bien chez vous, vous avez de l'arythmie, vous arrivez chez le docteur. Non, tout est beau, madame. Bon. Après avoir fait tous ces tests-là, mal de tête, non, pas de tumeur au cerveau, quoi que ce soit, la seule façon de le savoir, si les symptômes persistent et que la médecine ne trouve rien, c'est de faire des tests vous-même. Vous vous exposez volontairement et vous voyez si vos symptômes apparaissent. Vous allez faire un séjour d'au moins 3 jours dans un endroit, style un chalet, pas d'électricité. Vos symptômes disparaissent. Et dès que vous vous réexposez, donc l'aller-retour comme ça, exposition, non-exposition, finit par confirmer ce que les médecins ne diagnostiquent pas, malheureusement, parce qu'au Québec, la maladie n'est pas reconnue. En Ontario, elle l'est. Elle est du prince Édouard aussi, aux États-Unis, dans certains États. En Europe, mais pas au Québec. Donc, la seule façon, c'est on se rabat sur l'autodiagnostic. On se convainc qu'on n'est pas fou, parce que malheureusement, la santé publique ici au Québec prêche plutôt pour l'effet nocebo, comme quoi les gens ont développé une espèce de phobie des ondes, ce qui les rend particulièrement anxieux et finalement malades. Donc, rassurez-vous, la plupart des personnes qui éprouvent les symptômes à répétition, qui ont fait le test d'aller-retour, ne sont pas folles. Elles sont bel et bien électrosensibles. Donc, certains sont allés chercher des diagnostics en Ontario ou aux États-Unis, parmi nos membres, ou même en Europe. Il y a même un de nos membres qui est allé rencontrer le docteur Bellepomme, qui est spécialiste à Paris. Voilà. Bien, c'est une question par curiosité. En fait, est-ce que vous avez des motifs de qu'est-ce qui peut le causer? J'avoue que j'ai dû courir. Donc, est-ce que vous en aviez parlé de qu'est-ce qui peut causer l'électrosensibilité? Est-ce que n'importe qui devient électrosensible ou c'est une surexposition? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui provoque ou dispose? Hein? On s'entend, c'est multifactoriel. Il y a certainement un facteur génétique. Il peut y avoir la surexposition. Nous avons parmi nos membres des gens qui ont effectivement travaillé dans des secteurs où, quotidiennement, dans leur travail, ils étaient surexposés et l'accumulation en fait que, finalement, ils sont devenus électrosensibles de manière chronique. N'importe quel type d'empoisonnement majeur. On a parmi nos membres des gens qui ont eu un empoisonnement chimique majeur, style aller jouer au golf après l'épandage de pesticides, être 3 jours à l'hôpital entre la vie et la mort et revenir hypersensibilité chimique et s'apercevoir qu'il y a aussi hypersensibilité électrique. Il y a de ça. Même chose pour les moisissures. Des personnes qui ont subi une maison pendant des années où il y avait énormément de moisissures, sont devenues très malades. C'est comme si le système immunitaire était complètement anéanti. Et là, bien sûr, toutes les autres formes de sensibilité embarquent, chimiques et électriques. Voilà. Puis c'est sûr que quand on vit particulièrement dans un endroit, nous, ce qu'on a eu aussi beaucoup, puis à l'origine de la création du rassemblement, il y avait aussi la grande mobilisation contre les compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Et moi, j'étais de refusant les compteurs à l'époque. Et ce que j'ai vu apparaître, c'est beaucoup de personnes qui, suite à l'installation de ces compteurs, dans leur domicile, souvent sous leur chambre à coucher, à raison de 5, 6, voire 20 ou 10, ou 40 compteurs, développaient tous les symptômes. Donc là, on parle vraiment d'une exposition massive et... sur une brève période, mais très rapidement, les personnes ont développé les symptômes. Mais si elles n'avaient pas d'historique de sensibilité,
une fois la source atténuée ou une fois qu'ils ont vendu leur condo puis sont partis rester ailleurs, qui étaient moins exposés, tout est redevenu dans l'ordre. Donc, il y a des gens qui ont des symptômes qui sont très atteints, mais qui ne garderont pas la condition de façon chronique s'ils réagissent à temps. Par contre, des personnes ont laissé traîner, la science, la médecine n'a pas découvert et malheureusement, c'est devenu chronique. Voilà. Donc, c'est multifactoriel et puis l'historique de chacun fait que la maladie... En plus de ça, là, on parle d'électrosensibilité à trois champs électriques différents. Donc, il y a des personnes, ça va être les champs basse fréquence, ligne de haute tension, par exemple. D'autres vont être plus sensibles aux moteurs électriques ou au compresseur, par exemple, du réfrigérateur, mais pas du tout aux ondes. Et d'autres personnes, c'est le Wi-Fi carrément, ou un certain type de Wi-Fi, le Bluetooth ou une autre technologie particulière qui va les déranger. Donc, il y a EHS, mais parmi tout ça, les individus peuvent avoir des... Mais ce qui est clair, c'est que si vous avez une sensibilité, travaillez à atténuer les symptômes, à vous éloigner le plus possible parce que c'est cumulatif tout ça et peu à peu, la condition va faire que vous allez être probablement sensible à tous les champs. Donc ça, c'est vraiment la prudence pour prévenir, mais si on ne l'est pas déjà, et si vous l'êtes sensible, faites attention parce qu'il peut y avoir... ça peut être pire, malheureusement, si vous ne faites pas les aménagements nécessaires. D'autres questions? Pour les mini-maisons, là, est-ce qu'il y a déjà des compagnies qui sont... que vous avez approchées puis qui peut avoir des arrangements avec eux? Est-ce qu'il y en a déjà dans d'autres provinces? Est-ce qu'il y en a eu ailleurs? C'est de façon informelle. On a sondé un peu le terrain, un peu comme dans des événements comme ici ou tout simplement en prenant le téléphone. Et puis, il y avait de l'ouverture, effectivement. Ça reste à concrétiser. Mais oui, il y avait de l'ouverture. Donc, mais c'est rien de plus concret que ça, là. C'est vraiment embryonnaire. Mais nous, notre intérêt, il est là parce qu'on voit très bien que ce serait à relativement faible coût, des choses quand même faisables à court terme pour améliorer le sort des personnes électrosensibles. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si vous êtes fortuné, parce que je vous ai parlé des personnes qui ont dû quitter leur emploi, qui ont dégringolé vers, par exemple, congé maladie et éventuellement l'aide sociale, malheureusement, on a des personnes parmi nos membres qui sont fortunées. Mais si vous avez une belle propriété, que vous la revendez, c'est tout aussi compliqué de retrouver une belle propriété qui ne soit pas exposée aux voisins. Même peut-être que c'est encore pire, parce que si vous cherchez dans des quartiers mieux nantis, ben les bien nantis ont toutes les technologies de pointe. Donc, rendu là, l'argent, c'est pas, ça peut aider énormément. Mais ça ne permet pas toutes les solutions. Puis si vous prévoyez, même avec votre fortune, vous en allez le plus loin possible parce que vous êtes en moyen de vous acheter une très, très, très grande propriété, vous allez subir l'isolement. C'est pas mieux. Donc vraiment, quand on y pense de toutes les façons possibles, c'est ça. Donc, voilà. Mais pour ce qui est des promoteurs, ben, oui, ça serait à démarcher tout ça, mais voilà. Ouais. Je voudrais savoir est-ce qu'on peut savoir si on est prone à devenir électrosensible ou non. Vous avez dit qu'il y a un facteur génétique, mais est-ce qu'il y a encore quelques facteurs? Pour ce qui est de l'aspect médical, je ne m'avancerai pas parce que je suis pas médecin. Je ne suis pas du tout documenté là-dedans. Je pourrais pas vous dire. En fait, ce que les personnes électrosensibles se disent entre elles, c'est écoutez, soyez attentifs à ce que vous ressentez. OK? Ne négligez pas les malaises que vous éprouvez. Observez beaucoup votre environnement, ce qui change dans votre environnement. C'est peut-être la meilleure façon de prédire et de prévenir cette condition-là. Quand vous voyez arriver des techniciens qui changent tout l'équipement de bureau, par exemple, puis qui vous disent que ça va être bien mieux, puis ça va être sans fil, puis etc.,
puis que dans les semaines qui suivent, ben là, vous êtes fatigué, anxieux, puis qu'il n'est plus capable de dormir, vous avez commencé à avoir des problèmes inflammatoires, des vieilles blessures qui se réveillent. OK, posez-vous la question. Si ce n'est pas en lien avec ce nouvel élément là, de votre environnement. Donc, il faut être vraiment, vraiment attentif, puis poser des questions. Puis nous, ce qu'on espère faire aussi avec les années, on est une jeune association, mais c'est de se procurer des appareils de mesure pour que les gens soient capables, justement, d'observer beaucoup mieux leur environnement, parce que bien sûr, là, on a affaire à une pollution qui est invisible, hein? Et ça prend des appareils pour les détecter, aussi bien les champs basse fréquence que les radiofréquences. Voilà. À qui s'adresser pour aller chercher des appareils de mesure basse fréquence? Ah ben ça, c'est dans les boutiques ou sur Internet. Il faut choisir le modèle qui nous intéresse puis le commander. Non? Il n'y en a pas? Plus longuement. Merci. Merci, Madame Poisson.